Dédicace à Monsieur Champion. Yo, salut à tous, c'est Monsieur Champion. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo setup. Donc, il n'y aura pas de gameplay du fond. Donc, je vais vous montrer tout le matos que j'ai, même si je n'ai pas grand-chose. Je n'ai rien d'exceptionnel. Donc, nous allons commencer tout de suite par la fameuse PS4. Donc, PS4 blanche de 500 Go, dédicacée par Monsieur le V12. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas comment je m'appelle David. Donc voilà, j'ai le t-shirt un peu crade, mais c'est pas grave. Donc là, en dessous, j'ai un ventilo. Donc je sais pas si, voilà, on va essayer de bien voir. Un ventilo qui me permet de faire en sorte que ma console ne chauffe pas trop. Donc là, nous avons, d'abord je vais vous montrer ça, la PS3. Donc elle est débranchée, hein, elle fonctionne encore, pardon. C'est une jailbreak, donc avec des jeux d'installer dedans. Donc je vais pas en parler plus que ça parce que la PS3 ne m'intéresse plus. Donc 500 Go, je crois que je vais la faire gagner à un abonné, je sais pas encore, ou la donner à mon neveu. Je pense que d'ailleurs ça va être ça que je vais faire. Donc là nous avons un boîtier d'acquisition de la PS3 d'Avermedia, donc Game Capture HD60. L'avantage de ce boîtier, c'est qu'il faut juste une clé USB ou un disque dur externe, peu importe, pour pouvoir enregistrer ces gameplay, donc pas besoin de PC à côté. Donc là, nous allons passer au coin de l'écran de PS4, donc avec mon Seraph, voilà, parce que la console est allumée. Donc un écran basique, compact, que j'ai depuis des années. Voilà, il fonctionne très très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'à la base, il ne peut pas HDMI. Donc voilà, j'ai dû acheter un embout qui fait HDMI pour le raccorder, puis voilà. Donc là, nous passons à la Logitech, qui est pour moi la meilleure caméra pour commencer sur YouTube et même sur les streams, voilà, ou même sur Skype et tout. C'est la Logitech C920, dont je l'ai eu à peu près à 70 €. Et franchement, top qualité, et franchement, j'ai rien à redire. Donc là, nous avons la manette PS4. Encore une fois, dédicacé par Monsieur le V12. D'ailleurs, il commence à faire la gueule, le dessin, je crois qu'il s'est barré, l'étiquette, on verra plus tard. Donc, un clavier AZERTY, pareil, de bas de gamme. C'est pareil pour la souris, mon petit café que je viens de boire. Donc là, nous avons l'écran du PC, donc avec ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore payé. Donc, un écran basique, encore une fois. Mais il fait le taf et moi, ça me suffit. Donc là, nous avons un premier PC. Donc, je vais montrer d'abord celui-là. Donc, c'est un HP. Donc, c'est un PC bureautique. Donc, il est débranché parce que je ne m'en sers plus. Mais il fonctionne très bien. Donc là, nous avons mon nouveau PC. Donc, le boîtier, je ne sais plus ce que c'est. Donc, dedans, j'ai une carte mère Asus. Donc B150M, je sais plus quoi. Carte graphique, j'ai une GTX Nvidia 750 Ti. Voilà, elle est suffisante pour ce que je fais avec. Franchement, avec 8 Go de RAM, le prix que je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 840 €, je me souviens plus exactement. Il fonctionne très bien pour ce que je fais, donc top, top, top. Voilà. Donc là, nous allons passer au boîtier d'acquisition de la PS4. Donc c'est un Elgato HD60 qui fonctionne très bien, bonne qualité d'image et tout. Donc là, mes jeux PS4, donc un joueur Call of comme moi peut avoir que du Call of. Il faut savoir que j'ai aussi un troisième jeu sur PS4 qui est GTA 5 que j'ai prêté. Donc là, nous passons au Mixamp. Donc c'est le Mixamp Pro Noir. Voilà, j'ai encore la protection, je ne l'ai pas encore enlevé. Il fonctionne très très bien, il fait son taf. Le seul inconvénient, c'est que j'ai pas trouvé comment je peux avoir le son du PC dedans et le son de la console en même temps. Je sais pas si c'est possible. Dites-moi dans l'espace commentaire si c'est possible ou pas possible, parce que si c'est pas possible, ça sert à rien. Donc là, nous passons au casque que j'ai acheté avec le Mixamp, voilà, qui est là. Donc c'est un Astro A40. À la top qualité 7.1. L'avantage de ce casque, c'est qu'il se branche en prise jack directement au Mixamp, mais on peut le brancher directement, bien sûr, à la manette. Donc top top qualité. D'ailleurs, mon meilleur ami a eu l'occasion de le tester et franchement, il voulait me le voler.
Donc voilà, une top qualité, vraiment. Donc le prix du mixant plus le casque, parce qu'il faut savoir que je l'ai acheté ensemble, en même temps, ben, c'était ensemble, 250 €. Donc ça fait un peu cher, mais la qualité est là. Donc là, c'est tous mes stylos quand j'écris pas. Voilà, donc ça c'est à Madame Champion. Donc franchement, voilà, vous, des fois vous pouvez, quand vous jouez sans parler, vous rangez le micro, terminé. Donc là, nous allons passer au dernier truc, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc, mon micro pour le live, les commentaires et vidéos. Donc c'est un Ona, donc que j'ai acheté sur Amazon avec le trépied là. Donc le trépied qui est accroché directement au bureau, sans faire de trou. Donc ça, c'est l'avantage. Bon, c'est là par contre, je sais pas ce qui se passe, il y a un jeu, donc faudrait que je trouve un moyen de le régler. Franchement, la qualité est pas mal. C'est pas le meilleur micro que on peut avoir. Je vais voir pour investir plus tard dans un autre micro avec un anti-pop là. Franchement, j'ai un anti-pop jaune. Faut savoir que j'en ai des bleus, des rouges, enfin bref, que j'ai acheté, pardon, 7 €. En l'occurrence, le micro plus le trépied, je l'ai acheté pour 100 €. Donc voilà, pour dire mon setup, à peu près 2 000 € de matos là, je pense, hein, même un peu plus, je sais pas. À vrai dire, je m'en fous un peu. Donc voilà, il est simple, il est pratique pour ce que je fais. Franchement, voilà, regardez, je range mon truc, mon bureau que j'ai acheté hier. Voilà, ah, je vous ai pas présenté ça. Voilà, ça c'est mon petit trépied de la caméra parce que la caméra, soit je vais la laisser là ou soit je vais la mettre sur le trépied pour faire en sorte qu'on ne voit pas ce qui se passe, pardon, dans mon salon parce qu'il y a ma femme qui veut être tranquille aussi. La chose que je peux comprendre. Donc mon petit bureau swag, voilà, en bois que j'ai monté hier avec mon meilleur ami et franchement on en a chié. Bien joué, Conforama, vous avez des bons plans. J'ai une vanne, bande de cons. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez plus de détails sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à laisser un petit like qui fait toujours plaisir, et même à laisser un commentaire pour dire GG pour le setup et tout, le... Voilà. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, Twitter, bien sûr, tout sera dans la description. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir d'accueillir de nouvelles personnes. Il faut savoir que je réponds à tout le monde, voilà. Donc sur ce, je vous dis à tous un bon week-end, portez-vous bien, profitez des vacances si vous êtes en vacances. Et puis pour ceux qui reprennent les cours très bientôt, bah désolé pour vous. Sur ce, bonne journée, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À la prochaine, allez, ciao tout le monde.